monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi. Pour une fois, en fait, parce que ça y est, on a trop vu maman faire des vidéos cuisine. Je pense que ça venait un peu marre. Excusez-moi du terme. Bref, du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi. Je vais vous montrer mes fournitures scolaires, en fait. Hein. Non, mais oh. Je vais la faire sa vidéo, donc moi, je dois pas faire. On est où là? Donc, du coup, c'est à mon tour de faire. Ma vidéo quoi. Donc je vais vous montrer mes fournitures scolaires. Et puis suivez-moi, c'est parti. Les feuilles que bah acheté moi également en fait. Du coup ça on a acheté à Auchan parce qu'en fait bon pour ceux qui savent pas je rentre en troisième, donc dit troisième dit brevet. Bref, il y a le brevet, donc du coup, et puis même pas forcément parce qu'il y a le brevet, les feuilles c'est important parce qu'à chaque fois évaluation surprise, on connaît déjà, donc à chaque fois il faut avoir des feuilles sur nous. Et puis voilà quoi, pour même pour les contrôles et tout le tralala, il faut toujours avoir des feuilles. Donc du coup, on m'a racheté des feuilles, j'ai des feuilles l'année dernière, on m'a racheté des feuilles, donc voilà. Alors bon, j'ai des feuilles doubles, des copies doubles quoi, et des feuilles simples parce que ben, wow, c'est ce qui est demandé en général quoi, enfin pour tout le monde. Là j'ai mon paquet de l'année dernière qui reste, du coup on m'en a juste... un peu rajouté histoire de remplir un peu le placard de feuilles quoi. Enfin bref, les feuilles c'est important quoi. J'ai rien d'autre à rajouter. Donc pour commencer, papier calque, la base je pense, Auchan, comme vous pouvez apercevoir, il y a un petit logo et tout à côté. Auchan, donc papier calque, j'en ai deux, j'ai pris deux paquets. On n'en a jamais trop, vu moi avoir trop que pas assez. Ensuite, papier millimétré. Je sais pas, on va faire quoi avec ça, franchement, je vous dis. J'ai toujours vu ça sur les fournitures scolaires, mais je sais pas, on fait quoi avec. Genre, franchement, je sais pas, on fait quoi avec. Mais bref, on va acheter. Hein. C'est demandé, donc on va acheter. Mais bah. Ensuite, là, j'ai un petit peu beaucoup de pochettes perforées. Donc, il y en a 50, ça vient de chez Cultura. Donc, voilà. Après, il y en a. Deux autres paquets de pochettes perforées qui viennent de chez Action, désolé, Action. Voilà, 25. Ensuite, j'ai les protèges cahiers. Ça, ça vient de chez Auchan. Et ça vient de chez Cultura. Transparent, et ça, il y a des couleurs. On a 3, ouais, 3 quoi. Donc en tout, j'en ai 6 pochettes pour cahiers. Ensuite j'ai les intercalaires pour par exemple français, parce que je sais qu'en français on en demande. Donc du coup bah, j'en ai acheté quoi. Voilà. Du coup là j'ai montré les petites choses qui demandent. Du coup j'ai commencé par la calculatrice, donc bah, ça c'est la calculatrice, c'est la base hein, celle-là. Je pense que tout le monde l'a en fait. Enfin, en tout cas nous on demande ça, mais je pense qu'on demande ça à tout le monde. Donc j'ai celle-là. Ça fait un an je l'ai. En fait, celle que j'avais en 6ème, en fait, je l'avais cassée, je sais pas comment, mais c'était cassé du coup. Voilà quoi, du coup, mes parents m'ont racheté une autre l'année dernière. Ils m'ont acheté aussi une autre calculatrice de chez... Du coup, cette calculatrice-là, on l'a achetée à Auchan. Et celle-là, en fait, ils m'ont acheté une autre calculatrice, je sais pas pourquoi. Mais bref, je pense que je l'utiliserai à la maison et celle-là, je la laisserai dans mon staff pour les cours. Et du coup, c'est aussi une calculatrice qui vient de chez Action. Du coup, j'en avais deux. Ensuite les fameux stabilos, donc il y en a 4 dedans, Action. Ensuite du blanco, correcteur, tout ce que vous voulez, vous connaissez déjà, Auchan. Ensuite j'ai des feuillons de papier, ça on a acheté ça à Action. Après il y a des règles, ça aussi c'est Action du coup. Du coup il y en a deux, je sais pas pourquoi, mais bref, il y en a une, je donnerai à mon frère du coup. Ou il y en a une que je la garderai comme ça au cas où, si j'en perds, vous connaissez, parce que des fois il y a des vols de trucs et tout, on sait. Du coup j'ai deux règles.
Après, toujours en géométrie, j'ai une équerre et un rapporteur. Non, ça, je sais pas comment ça s'appelle. Je suis grave désolée, mais je sais pas comment ça s'appelle. Genre, je suis grave pas du tout. J'ai oublié. En fait, je me suis jamais servi, donc peut-être je vais m'en servir cette année. Mais je sais pas, mais bref. En tout cas, j'ai mes petits affaires de géométrie, vous connaissez déjà. Donc voilà. Donc continue. Là, je continue. Wesh. Vous avez commencé à tomber ici, là. Là, c'est mon cahier de dessin. En fait, on nous avait demandé d'en acheter en 6ème et en fait, il faut le garder chaque année. Oui, depuis la 6ème, je l'ai. Et voilà quoi. Barre plastique. Ensuite, là, commencez pas à critiquer parce que vous, on vous voit là. Bref, en fait, ça c'est mon porte-vue. Regardez ce que j'ai écrit dessus. Non, mais qui fait ça? Bref, ça c'est mon porte-vue qui date de la 6ème. Et c'est pour éducation musicale quoi. Il y a même des cours à l'intérieur et tout. Donc moi, je garde. Je sais pas pourquoi, mais je garde du coup parce que bon, c'est pas un truc que je vais utiliser du coup, mais voilà. Si vous voyez, il y a écrit 6ème G, 5ème F, 4ème G, c'est parce qu'en fait, dans mon collège, moi, les classes ça fonctionne par lettres, pas par chiffres. Parce que je sais qu'il y en a, c'est par chiffres. Je sais qu'il y en a, c'est par lettres. Du coup, moi, ça monte pas. Ça fonctionne par lettres. En bref, donc, vous voulez pas me juger là. Me juger, en bref. Voilà quoi. C'est ce que je fais quand je galère en cours. Voilà. Donc, du coup, bref, c'était juste une petite parenthèse. Ensuite, là, j'ai ma pochette que j'ai aussi depuis la 6ème. Ouh là là, j'ai mis des feuilles à l'intérieur. Comme là, il y a encore des feuilles, des trucs, quelques feuilles. Je vais remplir aussi. Pour, par exemple, pour les contrôles et tout, j'ai mis mes feuilles dedans. Ou des papiers importants, par exemple, à la rentrée, là, vendredi. Ben, j'ai mis tous mes papiers importants, je vais les mettre dans cette pochette-là. Quand je rentrerai les cours, je vais la montrer à mes parents. Là, on passe au cahier parce qu'il faut voir comment mes parents m'ont dosé le cahier. Hein. Je sais pas, ils étaient rentrés avec combien de cahiers le jour ils ont fait ma liste de fonds scolaire, mais comment vous dire que là j'ai des cahiers là. Mais il faut voir comment ils sont venus avec voilà, les cahiers. Je sais pas, ils ont cru que je passais à la fac, mais même à la fac on ramène pas autant de cahiers à leurs enfants. Bref, c'est pas trop français ce que j'ai dit, mais bref. Du coup, ils m'ont acheté des cahiers quoi pour toutes les matières durant l'année scolaire. Et du coup, j'ai ces cahiers là qui viennent pour tous les cahiers. Non, même pas. Ces cahiers-là, ils viennent de chez Auchan. Il y en a combien à l'intérieur? Mais il y en a 3. Comme vous pouvez l'apercevoir sur le côté, il y a un rouge, un jaune, un bleu. Ils sont simples, j'aime bien. Voilà. Et tous ces autres cahiers, ça, c'est Acultura. Cultura. Non, même pas, c'est Auchan. Je pense que c'était Cultura, mais en fait, non. C'est Auchan, désolé. Donc, j'ai vers les cahiers pour toutes les matières qu'on a en cours, quoi. Donc j'ai deux rouges. Puis j'aime bien parce qu'en fait ils sont bien épais. Au moins j'aurais pas besoin de d'avoir d'autres cahiers. On a remarqué qu'en fait il y a un cahier là. C'est petit carreau. J'ai pas fait attention. Regardez. J'aime trop faire ça. C'est petit carreau. Enfin bref, c'est pas grave, je le garderai à la maison. On verra. C'est petit carreau, enfin bref. Du coup, j'aime bien, je vais le dire, j'aime bien parce qu'en fait, il est bien épais, il y a beaucoup de pages. Du coup, j'aurais pas besoin de racheter d'autres cahiers au fur et à mesure de l'année. J'allais me trimballer à Auchan pour acheter un cahier parce que mon autre cahier est terminé. Donc, c'est pour ça qu'ils ont bien fait de m'acheter des cahiers où il y a beaucoup de pages. Il y en a d'autres, il y a un petit peu moins de pages, mais en soi, c'est pas grave parce qu'il y a des matières où il n'y a pas besoin de. Ou qui durent pas forcément. Où le cahier, il dure pas forcément toute l'année. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez compris. Du coup, bref, j'ai des cahiers, quoi. Puis, on passe à la suite, quoi. Là, je vais vous montrer mes deux classeurs de l'année dernière. Et puis, j'ai mon classeur de français de l'année dernière. Moi, les classeurs, franchement, ça sert grave à rien de racheter de nouveaux classeurs. Moi, je vous le dis. Ça sert grave à rien. Genre, tu prends ton classeur de l'année dernière, tu vides les feuilles et c'est carré, hein. Moi, t'es pareil, gaspille pas de l'argent dans des classeurs. Alors que les classeurs, franchement, ça sert à quoi? Ok, c'est pour travailler, mais bon, au bout d'un moment, voilà quoi. Du coup, ben, j'ai mon classeur de l'année dernière. Voilà quoi. J'ai juste vidé toutes les feuilles de français que j'ai arrangées et pour pouvoir l'utiliser quoi. Après, j'ai mon classeur de technologie que j'ai depuis la 5ème. En fait, il faut savoir qu'en fait, j'avais un prof en 5ème. Et il nous a dit ouais, faut garder vos feuilles. Vos feuilles, vous les gardez parce que vous aurez besoin pour le brevet. Du coup, ben, moi, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Parce que je sais que je l'aurai cette année, ce prof-là. Il est en 5ème, mais je sais que je vais l'avoir. Cette année, du coup, bah, j'ai gardé les feuilles, je l'ai écouté. Et j'ai fait juste une séparation en mettant un intercalaire de ce qui était de l'année dernière et ce qui est de cette année que j'avais fait. Et puis voilà quoi. Donc voilà.
Du coup, là, je vais vous montrer mes trousses. Donc, moi, mes trousses sont comme ça. Là, j'en ai deux. Celle-là, je sais qu'elle vient de chez Auchan. Celle-là, en fait, je crois qu'elle vient aussi de chez Auchan, mais je suis pas sûre. Celle-là, je l'ai depuis quand? Celle-là, je crois que je l'ai depuis CM2. Hein. Sans mentir, je l'ai depuis CM2 parce que j'avais le sac qui allait avec et tout. Mais après, il s'était cassé le sac. Donc, du coup, j'ai gardé la trousse parce que bon. Et puis, les trousses, frère, tu les laves quoi. Tu les laves et puis tu les réutilises. Hein. Après, c'est parti. Alors, si t'es milliardaire, tu rachètes. Si t'es pas milliardaire, mais t'es un peu entre les deux, qu'on met dans ça comme ça, ben tu gardes tes anciennes trousses et puis, enfin, je vois pas l'intérêt d'acheter tout un nouvelles trousses. Du coup, ben moi, j'ai mes deux trousses de l'année dernière, quoi. Là, j'ai mes crayons couleur. Mes feux. Donc voilà. Et dans le trousse, ben, c'est tout ce qui est. Ça, c'est la trousse de base, quoi. J'ai des stylos, des trucs comme ça. On va un peu, je vais un peu vous montrer entre guillemets ce qu'il y a dedans. Bon, dedans il y a, comment ça s'appelle, un taille crayon. En plus, c'est grave d'art ce taille crayon. C'est un 80 ans, genre en mode. Là, vous avez. Comment expliquer? En fait, il s'ouvre comme ça. Et là, vous devez tailler, vous fermez. Et là, vous l'ouvrez. Et après, il y a toutes les saletés qui s'incorporent à l'intérieur, enfin, comme un taille crayon classique, quoi. Et de l'autre sens, c'est la même chose. Genre, il y a deux sens. Tout c'est grave d'art. Et ils m'ont acheté où? À Auchan. Ouais, à Auchan. Bon, si vous voulez, cet agrime là, 4 en 1, il a l'air grave d'art. Je conseille d'acheter, je sais pas. Genre, quand j'ai vu, j'étais en mode, oh, il recule le agrime. Je sais pas, genre, j'aime bien. Du coup, j'ai un agrime. J'ai un porte-mine pour comment ça s'appelle? Les critériums, donc là j'ai un critérium, ça voilà. Après j'ai un peu des trucs qui datent, genre j'ai encore des stabilos à l'intérieur. Voilà, on n'a jamais assez, c'est trop la base, je suis désolée. Après j'ai des crayons papier, je voyais pas, mais j'ai une gomme aussi. J'ai des stylos, enfin la base quoi. Je sais pas si vous allez voir, je pense que oui. J'ai un compas, bref, j'ai tout le travail, j'ai de la colle, enfin bref. Tout ce qu'on a de plus basique dans une trousse quoi. Là, là, vous allez voir les choses, les vraies choses là. Là, je vous montre mon beau agenda. Genre, désolé, mon agenda est trop beau. Pas tant mieux. Mon agenda est trop beau. Regardez mon agenda s'il vous plaît. Mais regardez. Look this. Regardez pas mon anglais. Mon agenda, il est trop beau. Il est trop beau. Puis regardez, genre, à chaque jour, il y a un petit dessin et tout là. T'as capté. Je suis désolée, mon agenda est trop beau. Regardez, juste regardez sur l'agenda. Genre, il est trop beau. Good vibes only. Bref, et là, il y a écrit de l'année 2021-2022. Et genre, l'agenda, il est trop. Désolée, mais il est trop. Il est trop de tacos, quoi. Comme dirait les Congolaises, parce que je suis Congolaise, donc je vais dire tacos. Bref, donc chaque page, il y a des petits dessins sur le côté. Genre, j'aime trop. Vous voyez, enfin, vous voyez, mais je fais genre, donc je force en fait. Il est tout fort, je sais pas, genre, il est trop d'armes mon agenda. I'm sorry. Et à la fin, il y a une page de notes, il y a une petite page comme ça. Genre, c'est qu'à la fin de l'agenda, il y a ça. Après, il y a que des pages pour noter. J'aurais même pas à tourner les pages tellement. Tenter. Bah, c'est qu'à la fin de l'agenda, il y a ça. Après, il y a des pages pour noter. Je kiffe mon agenda, genre, désolé, mais je kiffe mon agenda. Il est trop beau. Ben, regardez juste. Bref, du coup, là, le haul est terminé. Quel haul? J'ai écrit, je me suis cru où, moi? Bref, du coup, pour terminer, ben, je vais vous montrer mon sac. Donc, j'ai depuis l'année dernière, c'est un Espac. Espac, c'est trop la base. C'est trop la base. Moi-même, vous savez. On a tous un Espac chez nous, c'est obligé. Si t'as pas un Espac, mon gars, t'es un peu démodé, je suis désolée de le dire, mais c'est la vérité. Bref, j'ai mon Espac. J'ai grave mal montré, mais bref, voilà quoi. Il y a mon petit sac et tout. J'ai toute une autre scolaire que je vous ai montré. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye!